Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de notre série Dex-High. En Normandie toujours avec le duc Fulk qui a rejoint les adeptes de Lucifer pour le meilleur et sûrement pour le pire. Donc, où est-ce qu'on en est après tout ça? Alors du coup, j'ai un petit peu comme toujours lu et répondu à vos commentaires. Alors effectivement, j'ai un petit peu analysé ce qu'on m'a dit. Effectivement, je n'avais pas du tout vu comment fonctionnait, comme quoi on est toujours ignorant quand on joue à un jeu. Les technologies militaires, etc. etc. Clairement, si on regarde bien, j'ai la majorité des technologies, enfin des différentes technologies qui me rapportent, qui ont des chances de me rapporter des points qui sont assez faibles. Donc, par exemple, laisser mon maréchal ici en train de faire des troupes, de faire des progrès militaires n'est pas très très utile. La majorité est à zéro. Alors que si je prends ce comté-là, par exemple, qui est un petit peu en retard, vous voyez, on a déjà plus de chances. Un peu partout, on a même des choses qui sont à 10%, 4%, ce qui est mieux que certains. Donc du coup, mon maréchal qui formait des troupes, par exemple, bon après je pourrais laisser ça, mais en soi je vais remettre en recherche progrès militaire, je vais le mettre à Mortain. Et du coup là, on voit que voilà, on est passé à 19%, 7%, c'est marqué. Hein. Donc en fait, c'est exactement le même concept, je remercie encore Slan, hein, alias 119 pour ça. Même chose pour les progrès économiques. Est-ce que les progrès économiques progressent? Non. Par contre, ici, excusez-moi. Forcément, il y a du retard, donc ça progresse. Pareil, si je le mets là, comme c'est quand même un comté important, et ben, il y a de grandes chances que maintenant, voilà, les pourcentages sont plus élevés. Donc, on va faire ça et on va essayer de faire en sorte aussi que nos vassaux d'église nous apprécient un peu plus que le pape. Ce serait top. Alors c'est toujours compliqué à faire, hein, mais c'est pas impossible. Par exemple, si on prend l'évêché de Don Frondis qui est ici, on va essayer de le faire. Voilà, on va essayer. Sinon, on en était où? On en était dans une guerre bretonne pour revendiquer le comté de Trégor et de Power, qui sont là et là. Pareil, j'essaie de rappeler les guerres parce qu'on m'a fait remarquer qu'entre deux épisodes, j'ai tellement enchaîné. Et puis bon, bah oui, je m'excuse au passage. Même si ça vous a plu en fait, le sel que j'ai eu la semaine dernière, qui m'a suivi toute la soirée après le tournage, hein, je m'en étais pas trop remis, je dois avouer. Mais bon, voilà, c'est une chose qui n'est plus aujourd'hui, y a pas de souci. Donc, on va repartir sur de bonnes bases et on y croit à fond. On y croit à fond. Alors, dans les petites choses que je voulais faire aussi, c'est que dans ma cour. J'ai ma tante qui ne m'aime pas, qui a beaucoup de revendications. Eh ben, je vais lui ordonner de prononcer les vœux. Ça lui fera les pieds. Voilà. Comme ça. Alors je sais que c'était ma régente désignée, mais vu comment elle m'apprécie énormément, on va éviter. Et du coup, on va mettre à la place quelqu'un qui pourrait. Bah, notre intendant. Allez, il n'a pas de titre particulier, on va le mettre lui. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et il y avait également autre chose que je voulais faire. Il y avait autre chose que je voulais faire. Je ne sais plus quoi. Alors les factions, qu'est-ce qu'on a en faction contre nous? Ouais, il faut vraiment que je me méfie parce que j'ai quelques factions qui sont assez grosses quand même. Donc il va vraiment falloir que je fasse attention. Est-ce que je peux pas lui envoyer de l'argent à lui? Ça coûte un peu cher, mais on va lui envoyer de l'argent. C'est pour essayer de le calmer un peu. Il faudrait également, mais je crois que je peux pas faire un banquet, mais en guerre on peut pas. Ça aurait permis d'améliorer peut-être un petit peu les relations, mais il faut vraiment que je fasse gaffe à tout ça. Alors, elle, c'est la comtesse de Rouen. J'aurais bien aimé pouvoir l'inviter, en plus elle est de ma dynastie, au conseil. Mais avant ça, il faut que je fasse voter la loi statut des femmes. Le problème, c'est qu'il faut que j'ai une tolérance à 3. Elle est à 2. Par contre, on n'est pas loin de pouvoir la passer à 3. Donc dès que j'ai la possibilité, je le ferai. Comme ça, si je peux au moins l'inviter en maître espion, ça permettrait de la calmer. Parce que là, le problème, c'est que... on peut l'inviter à rien du tout, donc elle est pas contente. C'est un peu chiant. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Niveau des emprisonnements justifiés, eux deux, je leur ai demandé d'arrêter leur complot visant à revendiquer des titres que j'ai. Ils ont accepté, normalement. Enfin, c'est pas encore fait, mais ils ont dit qu'ils accepteraient. On a des choses qui peuvent être revendiquées. On est toujours en train d'essayer d'assassiner le roi. On a des gens qui nous ont rejoints. J'ai regardé un petit peu. Enfin, des gens qui vont nous rejoindre. Normalement, il y a beaucoup de pouces verts. Donc ça devrait le faire.
Elle pourrait venir si j'envoie de l'or. On va le faire, ça rajoute quelqu'un qui a quand même 10%. On sait jamais, on pourrait... Bah, c'est rigolo pour le folklore en tout cas. Lui, où est-ce qu'il fait des revendications de chancelier? Bah ça y est, c'est fait, donc il a plus besoin d'y être. Est-ce qu'on est toujours dans la faction indépendance? On y est toujours, on a personne d'autre qui nous a rejoint par contre. C'est vrai que c'est pas nous qui sommes les maîtres de ça. Néanmoins, je vais essayer d'améliorer très vite fait mes relations avec un autre... alors bon, lui, je suis toujours le régent, donc c'est mort. Mais pourquoi pas avec lui? Pouvoir l'inviter plus tard si jamais je récupère... On va essayer d'améliorer les relations avec lui. Allez, hop, où est-ce qu'il est? Il est là. Il y a quel... se trouve à la cour du roi en Middlesex pour intriguer. Alors oui, mais plutôt le duché de York, la capitale, elle est là. Allez, améliorer les relations à York. Et on va pouvoir remettre lecture et finir notre guerre. On devrait... Voilà, ça c'est les personnes qui revendiquent chez moi. C'est mort. Enfin, quelques troupes bretonnes, mais bon, ne m'inquiète pas trop pour le moment. Hein, on est largement plus nombreux. Hop, alors, revendiquer le... Non, bah, tu vas aller te faire voir. Alors, attendez, parce que j'ai des Bretons qui viennent m'embêter, là. Donc, on va prendre la moitié de cette armée. On va attendre qu'ils aient le cadenas. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on y va. On va aller apporter du soutien. Et c'est impeccable. C'est impeccable. Alors que je passe un bon moment en cuisine en charmante compagnie, l'incorrigible Fortunata vient vers nous et commence à me faire la morale. C'est quoi son problème? Elle, c'est une enfant, pourtant je m'en occupe pas quoi, elle a un éducateur. Ouais. On va être un peu lui flanquer une bonne correction. Pff, pas d'importance. Bon ben on lui fait ça, allez, c'est pas grave. Voilà, on les a bien battus. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un petit problème de son. Parce que j'ai pas eu les bruits, les bruitages des... Je vérifie, mais pourtant je n'ai rien changé. J'ai pas eu les bruitages de combat, alors peut-être qu'il y a une raison. Pourtant j'ai bien la musique et tout, bon bref. On verra ça plus tard. Donc Abelino vous sourit. Monseigneur, j'ai remarqué que vous semblez quelque peu distrait quand nous évoquons les finances. Pour que cela pourrait être plus intéressant, il est parfois bon de découvrir directement en quoi cela nous concerne. Que pensez-vous d'accompagner demain de ma journée de travail? On va le faire. Je pense qu'en fait, le personnage, ça n'intéresserait pas forcément, mais... Commence la journée par la collecte d'impôts. Certains se plaignent et se froissent en se délaissant de leurs revenus. Abelino explique calmement pourquoi l'impôt a été prélevé et apaise les grincheux. La confiance vaut le nord. On devient honnête. On perd 2 en intrigue et on gagne en diplomatie. On va pas le faire. On va rester bon en intrigue. Après, il nous emmène au chantier de construction le plus proche pour évaluer les progrès. Il constate que les travaux ont pris du retard et interroge les bâtisseurs pour en connaître la cause. Ceux-ci se plaignent du mauvais temps et veulent une augmentation pour compenser le retard. Ils vous regardent en attendant une réponse. Nous tiendrons parole si vous tenez la vôtre. On perd de l'or et on obtient le trait confiant. Non. Je suis ici immédiatement, je vais m'assurer. Hein. On obtient colère et ils nous aiment moins. Alors, ça donne plus 3 en martial, ouais, pourquoi pas, bon, on n'est pas oufissime. On va dire plutôt la première. Abelino reçoit la visite d'un ami en fin de journée. Tous les trois avaient un dîner agréable, discutant de votre expérience autour d'un bon repas. Le visiteur vous salue de la tête, exclamant. Quelle chance vous avez, Abelino, d'avoir un seigneur si compréhensif et bla 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 bla. Donc, cette coopération ne manquera pas de nous profiter mensuellement. Alors, on perd le trait avare, on devient charitable, on perd le trait le social, on devient timide. Oula, alors. On perd avare, hein, c'est ça. Ok. Et on gagne charitable. Hyper sociable, c'est ça, hein. On était sociable, ouais, et on devient timide. Non, ça m'intéresse pas trop. Ou alors on arrête d'être diligent et on devient paresseux. C'est ça, hein. On perd le trait de diligence et on obtient le trait de paresse. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ouais, bon, on va faire le premier quand même, hein, malgré tout. Allez. De toute façon, on peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Bon, bah, on va continuer à faire nos sièges, hein. De toute façon, on va... La guerre va être gagnée très 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 prochainement. Peut-être que je devrais écrire une lettre au lieu de le faire pour essayer de le convaincre de mes bonnes intentions. Alors non, lui, on va arrêter de l'influencer, clairement. On va se concentrer sur lui. Ça vaudra ce que ça vaudra. Finalement, qu'on souhaitait tuer le duc d'Angleterre. Le prince Robert d'Angleterre, qui est l'héritier. Bah, écoutez,
pourquoi pas, hein. On est complotistes jusqu'au bout, de toute façon. Donc nous, on cherche à tuer le roi, mais il se cache, on a pourtant 100%, hein, c'est pas mal, hein. On pourrait même convaincre le prince d'Angleterre de nous rejoindre, quoi, mais bon, à mon avis... Oh si, on pourrait, allez, on va le faire. Bon, faut vraiment pas qu'il sorte de sa planque, hein. Et son fils se cache aussi, parce que, putain, décidément... L'Angleterre, c'est pas ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour les gens qui nous apprécient pas ? Envoyer un peu d'or, hein, comme toujours. Quand on peut le faire, en tout cas. Bon, ça réglera pas grand-chose. On va surveiller ça de près, quand même. Hein. Les hérétiques fratriciels sont à présent majoritaires en Lincoln. Mais c'est horrible. Après, on s'en fout. Hein. C'est là-bas, Lincoln ? Ouais. On s'en fout un petit peu. Voilà, une victoire. Allez, encore un siège ou deux et puis c'est terminé. Hein. Voilà, on va retomber dessus ici. Voilà, 100%. Allez, on offre la paix, on a plus d'exigences. Oui, ça a pas mis à jour, ça me fait toujours peur ce truc. Voilà, je pense qu'on pourrait peut-être lui revendiquer son titre maintenant, non? Voilà, pourquoi il voudrait pas le pape? La piété du duc, l'opinion du pape envers le duc. Réticence de base. Ouais, bon. Effectivement, alors à moins d'envoyer lui pour moins bonne relation entre le prêtre et le chef religieux, ah ouais, donc même pas. On lui peut semer la discorde entre le vassal et le seigneur liche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bon, pour moi, on va attendre un peu, c'est pas très très grave en soi. Hein. Par contre, on a trop de titres, ça c'est sûr. Hop, on range l'armée là. On range l'armée là. J'ai organisé dans mon château un festin pour lequel je n'ai reculé devant aucune dépense. La temple était somptueusement garnie de bois, de porc, de fromage. Nous sommes régalés. Écoutez, c'est bien. Alors, qui c'est qu'on a à la cour qui pourrait apprécier... Bah, tenez, lui. On va lui accorder le titre. Comte de Power. Voilà. C'est toujours mon commandant, de toute façon. Et ensuite, qui c'est qu'on a à la cour? On nous apprécie un peu plus avec un petit cadeau. Ouais, non, lui il est tout pourri. Notre chancelier, bah, pourquoi pas. Enfin, c'est pas le meilleur, mais c'est pas très très grave. C'est de Trégor, voilà. Et il nous appréciera aussi. Et on en a deux maintenant qui nous apprécient beaucoup. Et on a des titres en plus, surtout. C'est surtout ça le plus important. Mais c'est bizarre, avant il me semblait qu'on pouvait... Alors ça a peut-être changé, hein, mais il me semblait qu'avant on pouvait dire « Bah de toute façon, maintenant c'est bon, on a largement... de quoi revendiquer ce titre-là, l'usurper, c'était ça. Ne peut usurper un titre de quiconque du même pays, sauf si vous avez une revendication forte. » Ah bah c'est pour ça, alors. Whoop. Excusez-moi, mauvais clic. « Monsieur York est un succès lors de ma visite à la cour de Dorkal, au moins j'ai réussi à lui faire comprendre que... » Parfait. Vous appréciez un peu plus. Au niveau de l'indépendance, c'est vraiment dommage qu'on ait pas d'autres personnes qui nous aient rejoints. Et puis je vous dis, j'aime pas trop... Je vais la quitter, la faction. On va le laisser tout seul, lui, pour le moment. Bon, ça aurait été bien qu'il meure, lui, mais... D'accord, non, c'est pas ça que je veux dire. C'était bien qu'il arrête et que je reprenne le lead du truc, mais bon. Les moines du monastère voisin passent chez vous bien souvent ces derniers temps pour commercer. Ils ont l'habitude de rester un peu pour discuter des échanges. Alors, je sais pas trop... Ça, c'est bien, par contre. Ouais, ça, on va être meilleur encore. J'ose pas trop, pour être honnête... Peux-tu créer le lead du duché de Penthièvre? Alors oui, j'avais vu ça. Par contre, le titre est pas oufissime.
J'ai pas trop envie de créer un titre comme ça. On a des factions dangereuses. On a deux factions qui sont assez dangereuses. Lui, non. Ouais. On pourrait tenter de l'enlever, ouais, c'est assez drôle. Par contre, si ça rate, voilà, le compléter pour le tuer, non. On va tenter de... Ah, il se cache. Voilà qui va compliquer les choses. À la limite, lui... On va tenter d'influencer un petit peu tous les gens qui nous aiment pas trop, hein, pour être sûr qu'on se prenne pas un truc dans la tronche qu'on n'ait pas trop vu venir. Parce que voilà. Par contre, lui, ça fait deux fois qu'il recommence, ça va commencer à me gaver. S'il refait encore un truc contre moi... Attendez, pardon. Hop, mes complots, oui, complots su. Non, je le vois pas dans la liste. Alors pourquoi je peux l'arrêter ? Écoutez, on va l'emprisonner. Ouais, il attend quand même. Il a quand même... Ouais, il était quand même bien. Comment dire ? Il y avait quand même un gros pourcentage de chances de réussite, donc voilà. Alors, on va lui demander de passer plus de temps avec nous. Je vais faire que ça, honnêtement, là, je vais un petit peu essayer de. Il est pas trop mauvais lui, spécialiste des sièges, inflexible, ça pourrait faire un petit commandant sympa. On va essayer de passer quelques jours avec lui, qu'il nous apprécie un peu plus et qu'il arrête d'être dans cette faction. C'est mon mieux pour être conciliant, mais non, ça peut pas nous entendre au sujet de... Ah merde, c'est pire. Ah zut. Zut, mais c'est moi où il est plus... Ah si, il est encore dans une faction, et là c'est pire que tout. Zut flûte. Bon, il y a encore de la marge avant que tout le monde me tombe dessus et que je sois dans la merde, mais quand même. La comtesse de Rouen, elle trame un complot. Bah elle, ce serait l'occasion de l'enlever de là, parce qu'elle m'apprécie pas. On va le faire. Ok. Je suis désolé, hein, ça va être encore des trucs un peu chiants, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais... Mais j'ai pas trop de choix non plus, hein. Ouais, bon, ça va, elle a pas fou non plus. Allez, chut. Avec ces gens-là, ça va suffire. Ça rentre au bercail. Ouais, je me suis un peu planté. Ah, le roi est mort. Bah, il est mort de son infirmité. Ok. Alors, donc, bah, voilà le roi Robert II d'Angleterre qui vient sur le trône. Donc, notre complot n'est plus. Il y a toujours le complot de le tuer puisqu'il se cache. Au niveau des factions, la faction d'indépendance existe toujours. Après, c'est peut-être plus le moment de frapper encore, hein, mais parce qu'il est peut-être encore plus affaibli. Enfin, 13 000 troupes quand même. Hein. Si on voulait comploter pour le tuer, on aurait 57% de chances de réussir, ce qui n'est pas beaucoup. Mais bon, c'est vrai que là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Le petit, là, combien de chances on a de le tuer ? Parce que hop, s'il a plus de... personne derrière. Alors on aurait des possibilités en invitant des gens. On va laisser le complot pour le moment, on verra bien ce que ça donnera. Mais non, non, oh là là, j'ai mal géré encore. Mais bon, on va rattraper tout ça. Voilà. On va aller faire le siège de Rouen. Allez, tant qu'on y est. C'est chiant qu'on puisse pas embarquer pile les gens qu'on veut dans les bateaux. C'est-à-dire que ça laisse les gens hacker et ça embarque que ce qu'il faut, quoi. J'aurais rangé le surplus. Le pape a excommunié le roi, voilà. On prend les mêmes, on recommence. Tout ça. Alors, j'aurais bien fusionné tout le monde, mais je pense que ça doit être mes cavaliers.
on va les mettre à part, on va laisser terminer le truc tranquillement, on va ranger les bateaux bien évidemment. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Il veut que je sois son conseiller. C'est un jumeau, très bien. Non. Je vois pas trop l'intérêt, j'en ai pas vraiment envie. Oh, il a 1000 troupes lui. Un peu chiant. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a toujours ? Pour essayer d'influencer quoi, non, faut continuer de l'influencer. On faut qu'on essaie de renverser la vapeur quand même. Je pense que je pars la tête, c'est probablement mon imagination, mais parfois quand je remarque que des gens me fixent, quand ils en chuchotent, il m'est impossible de brûler le soupçon que cela pourrait être en moi. Le monde des ingénieurs n'a pas toujours... m'a toujours paru valoir le coup, mais je doute à présent. On devient anxieux. On l'était pas déjà. On était dépressif. Ah merde. Je crois que je vais quitter ce truc. Finalement, j'en ai un peu plus peur que ça. Alors je sais, hein, ça fait un peu volte-face, il y a peut-être qui vont dire « Oh non !» mais voilà, j'ai peur que ça se retourne contre moi. Je suis pas sûr d'assez bien le maîtriser. C'est quand même un défi que je veux réaliser. Je voudrais pas que ça se retourne vraiment, comme je vous l'ai dit, contre moi. Donc ça y est, on peut se marier à Aleid Dirtochter, qui est hollandaise. Alors elle est vraiment pas terrible, hein. Ah ouais, c'est pas le bonheur, hein, mais on va quand même le faire. Un jour, je vous promets, on essaiera d'avoir un vrai héritier bien, quelque chose de bien, une bonne dynastie. On s'est marié, on va plutôt prendre le prestige. Lui, il accepte, c'était le duc de Hollande, tout ça, ok, parfait. On est toujours dans l'intérêt quand même d'intrigue. Est-ce qu'on va pas le changer ? Est-ce qu'on va pas le changer pour... autre chose. On va rester là. Au pire, la séduction, quoi, mais... Non, on va rester comme ça pour le moment. Puis on verra bien s'ils arrivent à faire des enfants ou pas, après tout. Même sans le bonus, ils sont capables de faire ça. Hein. Pape n'est plus. Très bien. Lui se cache toujours. Autant de factions qui luttent. Ah, l'indépendance, ça devient de plus en plus intéressant. On va y retourner. Du coup. Maintenant, on est deux. Il y a le duc de Gwynedd. Bon, c'est pas que c'est des grandes, grandes personnes encore, mais... On avance à Rouen. On avance au niveau du siège. Bah, lui, il fait que des allers-retours. Il sait plus trop quoi faire avec ses troupes. Ça m'embête, hein, parce que c'était quelqu'un de ma famille, mais bon, franchement, là... Ça me fera un vassal puissant en moins qui m'aime pas. En espérant que je pourrais. On a une maladie qui sévit là. La variole. Tant qu'elle est de l'autre côté, j'ai envie de dire, c'est chiant, mais tant pis, mais. Je veux juste que ça vienne pas de notre côté. Va vraiment falloir qu'à un moment j'essaie de récupérer tout ça aussi. Hein. On peut pas être partout. Je voulais lui déclarer la guerre, non mais je suis déjà avec une armée. Je voulais juste voir en fait, c'est pas que je veux lui déclarer la guerre, mais je voudrais voir si maintenant je peux vraiment appuyer ma revendication que je n'ai pas forcément sur le duché de Haute-Bretagne. Alors, j'en sais sans doute plus sur l'argent que sur les gens, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas utiliser ma vaste connaissance de l'économie pour impressionner le comte. J'utilise notre diplomatie pour essayer de l'influencer. Bon, on va tenter, parce que l'or c'est... sûr que ça marche encore à tous les niveaux. Il a été impressionné. Bon, pas terrible, hein, plus 5, clairement. Faudrait que mon chancelier agisse. Mon intendant a demandé à rejoindre les plus chevaliers de l'ordre d'hôpital dans la lutte contre les infidèles, même si cela le déshéritera jamais. Ah bah ouais, mais je l'aime bien, lui, moi. Mais est-ce que je peux vraiment refuser ça? Mais c'est con, moi, je le trouve sympa. Il a un gamin qui a l'air bien. Oh non, je veux pas. Il va me détester, je pense, mais...
C'est dommage. Donc 100%. Hop. Paf. On appuie les exigences. Elle est en prison. Est-ce que je peux lui révoquer le titre? Voilà. Parfait. Ça c'est fait. Alors faudrait que je le donne à quelqu'un qui ait des bonnes notes. Pourquoi pas mon intendant, tiens, justement. Il a pas de titre. Bah justement il était intendant parce qu'il avait pas de titre aussi. Mais je vais lui donner quand même, c'est pas grave, je vais prendre ce risque, mais il est bon. Il m'aime bien. Il est au conseil, donc au moins c'est un vassal puissant au conseil. Voilà, au moins ça contrebalance le fait que je lui ai interdit de rejoindre, bon même si finalement ça ne fait que moins 15. Pourquoi il y a des rebelles avec qui je suis ennemi? Je ne sais pas, mais de toute façon je range mes troupes, je renvoie mon escorte ici. Au niveau des décisions, je ne peux pas faire un banquet, bah je peux demander l'indépendance, oui, bah, ça je me doute. Bon là il y a toujours personne qui a rejoint, donc, on va arrêter de faire ça. Bon, lui continue de se cacher. Hein. Je vais essayer de l'inspionner, mais je pense que quand il est caché ça ne sert à rien. À mon avis, hein, je pense que ça ne marchera pas. Ah bah la faction indépendance... Ah bah je suis devenu maître de la faction indépendance. Bon bah ça c'est pas plus mal. Alors par contre faut que je continue de faire attention ici. On va plutôt influencer lui pour qu'il arrête, hein, clairement. Le comte de Surrey, où est-ce qu'il est déjà? Pardon j'étais trop vite. Bon c'est pas grave, on va le retrouver comme ça. Touk, il est là, bien sûr il est là. Hop, allez on améliore les relations avec lui. On s'en fiche. Question par partage salique. Ouais. On va essayer de, voilà, de remonter un petit peu tout ça. En tout cas, c'est bien, on a rejoint la faction indépendance. Et du coup, ce que je voudrais faire, on va envoyer le maître espion à York pour essayer de le faire rejoindre le complot. Je crois qu'on pouvait faire ça. Hein. Noble encouragé à rejoindre le complot. Allez, c'est parti. Demander l'indépendance, bien sûr, on va pas le faire tout de suite, hein. C'est tentant, mais... on peut donner de l'or, on peut écrire un livre, rechercher un forgeron. J'aimerais vraiment avoir enfin un guerrier, un vrai général aussi. Pour moi, c'est pas le cas. Elle, je peux la bannir, ma parente. On va la bannir. Hop, on va récupérer du pognon. Lui, on va le rançonner. Ah non, bah non, c'est mon vassal. Je peux lui révoquer son titre. Non, je peux pas. Il va rester en prison, c'est pas grave. Un nouveau titre de commandant de Normandie. Ah bah justement, je crois que j'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui était pas trop mal, là. Et bah c'était le comte de... Alors, il m'aime pas trop, mais c'est pas grave. Ah, les Loïtas avaient un mérite de la reconnaissance. Une note publique possède de nombreux titres. Pourriez-vous envisager de donner le comté de Kent? Alors non. Complètement que non. En plus, il abuse, hein, lui. Franchement, j'étais sympa avec lui. Hein. Vraiment comme quoi. Hein. Ah, c'est un Italien, voilà, tout de suite. Hein. Il en veut toujours le plus. Alors, eh ben non. Grâce à ma belle compétence élevée, on va dire non. Ouais, non, je peux pas, de toute façon, rejoindre les hermétistes. Je suis beaucoup trop con. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est bien qu'on ait un petit... En effet, un autre bâtard. Oui, aussi, dans la partie d'avant, vous aviez peut-être vu que le bâtard légitimé n'apparaissait pas en... Bah, quand j'ai en tant qu'héritier, mais si, hein, c'est juste qu'en changeant la partie, c'est apparu. Alors, ça aurait peut-être fini par apparaître, de toute façon. Mais voilà. Ah ouais, alors là, on a un peu plus de monde encore qui a rejoint. Ok. Non, lui, ça marchera pas. Bah, il faut... Lui à la limite ça peut marcher, bon, disons qu'il m'apprécie mieux. Faut vraiment que lui j'arrive à faire quelque chose. Il suffit que j'y arrive et puis et honnêtement voilà, je pense que ça va annuler un peu tout, ça va un peu tout calmer. Du coup, on peut pas l'espionner. Non, donc ça ce sera tyrannique, il a rien fait. Par contre c'est bizarre que je puisse pas l'espionner. Alors je sais que j'espionne déjà quelqu'un. Le comte Abellino s'approche. Monseigneur, j'ai une grande idée d'un monument à construire. Notre statut culturel en bénéficierait. Le peuple sera en admiration devant leur souverain.
a besoin d'or et de patience. J'ai pas trop envie de lui faire confiance, je vais le faire quand même. Mais vu le personnage, je commence à avoir des sérieux doutes sur lui. On va arrêter l'espionnage sur lui, voilà. Par contre, on va commencer l'espionnage sur lui. Enfin, j'aimerais bien, mais je comprends pas pourquoi ça me propose pas de l'espionner. Si je prends elle. Prisonnier. Pourquoi il me propose pas l'espionnage ? Sur les cibles applicables. Bah. Ouais, bah. Question. Si dans mes complots, je marque que je veux le révoquer, lui, là-bas. Ouais, je peux pas. Non, je peux pas. Bon. De toute façon, ça sert à rien d'espionner le roi, parce que ça ne marchera pas. Il a fait vœu de célibat. Ah ouais, 65 ans, à mon avis, il va bientôt mourir. D'ailleurs, c'est elle qui va récupérer, elle va bientôt mourir aussi. Alors, on va essayer de réfléchir intelligemment. Lui va mourir. Elle va hériter. Derrière, elle... Qui c'est qui va hériter? Ça serait bien lui. 39 ans. Donc c'est plutôt lui en fait qu'il va falloir que j'influence. Et lui, il est comté de Dunbar. On va essayer de prendre de l'avance pour une fois, ce serait bien. Merde, je me suis planté. C'est un réseau d'espionnage à Dunbar. Voilà. Pour le moment en tout cas. Ça évoluera peut-être. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je mette le maître espion, mais on va le faire quand même. Les relations féodales, c'était avec le comte de Serret. Tant pour moi. Je m'a planté, comme on dit. La conversion de Carélie. Un groupe de prêtres envoyés par le roi de Suède a accompli un grand rituel dans lequel toute la population de Carélie a été convertie, ainsi que la grande chefesse et un bon nombre de ses vassaux. Ils ont entendu Dieu. À mon réveil, je me suis rendu compte que mon amour m'aurait... Ouais, bon. Met fin à notre relation amoureuse avec la mère de notre enfant. D'ailleurs, est-ce qu'elle est au courant de ça? Est-ce que... Putain, elle est vraiment pourrie, elle. Hein. Je sens qu'elle va pas faire... Attends, ouais, bon, bah, elle m'aime pas trop. Ouais, ok. Une lettre pour prendre William pour essayer de le convaincre de mes bonnes intentions. Et ben, on va faire ça. On va faire ça. Ah, intéressant. Allez, on va essayer hein, pour une fois. J'espère que je fais pas des conneries, mais on va essayer d'anticiper ce qui va se passer. Sa mort, qu'il n'a pas d'enfant. Elle, le fait qu'elle va mourir et que ben, son enfant c'est celui-là. Normalement, ben, je pense pas me tromper, mais en tout cas pour les gros titres, ce sera les titres principaux, ce sera lui. Et puis voilà, est-ce qu'on a le légalisme, la tolérance? Ça y est, hop. Donc est-ce qu'on peut mettre marginal? Mais ça me sert plus à rien en fait. Ouais bah écoutez, c'est pas grave. Alors, votre femme vous évite depuis quelques temps. Elle n'est pas venue dans votre chambre depuis plusieurs semaines. Lorsque vous lui demandez pourquoi, vous n'avez que des pièces d'excuses. Aujourd'hui, vous avez surpris certains de ses domestiques en train de bavarder. Ils ont dit qu'elle avait contacté la grande Vérole. Oh oh. Je vous montrerai cette blasphématrice ignoble ce que je fais aux traîtresses. Vous emprisonnez la princesse. Oh, ça irait bien avec notre personnage un peu taré, hein. Bah écoutez, on va faire ça. Je trouve que ça va bien avec notre personnage qui est complètement fou. Enfin fou, il est pas fou, mais il est dépressif, anxieux. On va faire ça. On va aller même plus loin que ça. Alors, l'exécuter peut-être pas. Torturer peut-être pas, encore que. Princesse du Saint-Empire romain, ouais, bon, pas non plus quand même, c'est vrai que c'était... C'est une princesse du Saint-Empire romain, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, on va l'acheter aux oubliettes. C'est vraiment dégueulasse, hein, je sais, mais... Je trouve que ça peut être sympa, et puis il pourra choisir une nouvelle femme. Ah, même s'il a rien pour lui, le pauvre gars. Hein. Il a vraiment rien pour lui. Hein. Alors, on m'a fait remarquer que mon éducateur était pas terrible, alors pourtant j'avais pris elle, à part ses boutons de fièvre, elle est envieuse, ouais, c'est vrai qu'elle a peut-être des traits cyniques. Mais bon, elle était vivace, belle, je trouvais pas si catastrophique que ça. Bon, après, j'ai pu me tromper, hein. Qu'est-ce qu'on a qui voudrait bien un emprisonnement justifié contre lui? Ça pourrait être intéressant, hein. Ça pourrait être intéressant de l'enlever. Il est quand même dans deux complots.
Bon bah lui carrément quoi, pourri. Il se met prétendant, le comte d'Evreux, bah bien sûr. Ouais, c'est bien des gens qui nous ont rejoints quand même hein, pour l'indépendance. On a quand même 8000 personnes. Ils sont encore 12000 mais on a toujours notre complot, enfin on soutient toujours le complot qui vient à tuer le roi. Par contre c'est marrant parce que c'est l'intendant de Reggio donc il est en Italie le mec. Bon. Je pense qu'on a mieux. Je pense qu'on a mieux. Juste je regarde un peu qui c'est qui pourrait rejoindre notre... Faudrait bien nous rejoindre. Serait un peu bien à tous les niveaux quoi, ça aurait été pas mal mais lui mais il est quand même d'un certain âge mais bon pourquoi pas, après il est italien alors je préfère que ce soit un normand quand même. Ma culture, allez hop, ce sera mieux parce que là c'est vraiment pour faire alors ça pourrait être une femme aussi en fait hein, tous tant qu'ils veulent bien rejoindre la cour, je m'en fous. Normande de Hauteville. Ouais, enfin, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Génie, on va pas en avoir. Sûr que non, ce serait trop facile. Ouais, bon, bah écoutez. Je vais regarder ça entre les deux épisodes. Je vais m'arrêter là. Et pour cet épisode, et puis je vais regarder ça entre les deux. Donc voilà, on continue d'avancer. Je pense qu'on était descendu un peu bas. J'avais un peu de sel aussi. J'espère que vous m'en voulez pas d'avoir arrêté la secte de Lucifer, même si le mal est fait, hein, finalement, parce que je suis déjà anxieux. Mais voilà, ça va me permettre de rebondir et de faire quelque chose de peut-être un peu mieux quand même, essayer de sauver les meubles. Ça commence bien avec une femme enfermée, mais bon. Bon, ben voilà, en tout cas, je continue ça au prochain épisode. Je vous dis à dans 2 jours. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore pour votre suivi, vos likes, vos commentaires et toutes les ondes positives que vous m'envoyez. Franchement, j'aurais jamais cru ça en commençant la série. Et voilà, honnêtement, continue de réfléchir, j'ai des idées de projets pour Crusader Kings 2 parce que je pense que je m'arrêterai pas après cette partie. Je pense qu'on essaiera de continuer Crusader Kings 2 sur la chaîne du Signe Noir de temps en temps, comme lui fait avec Europa Universalis. Voilà, parce que ça vous plaît, moi j'adore y jouer. On a chacun un peu sa spécialité, même si j'aime beaucoup Europa Universalis aussi, mais je m'amuse un peu sur celui-là. Donc voilà. Donc on continuera tout ça. Encore merci pour votre bienveillance et à très vite. Bye bye.